Je suis où là les gars? Hein, je suis où? Je suis sur Unity. Et ouais, et puis en même temps, je vais aller au Creativity voir toutes vos constructions. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un serveur créatif qui se localise sur mon serveur Minecraft unityplay.unity.com et qui se trouve là-dessus avec ce NPC ou alors slash serveur Creativity. Voilà. Donc là, on va faire clic droit sur le NPC et je vais voir vos constructions. Donc je me suis pas trop spoil pour le moment. Voilà, là, vous arrivez ici au lobby, vous avez slash plot auto. Voilà, donc slash plot auto. Et là, vous allez être TP à un monde créatif avec votre plot où vous serez normalement en créatif. Bon là, il y a un petit problème, mais vous êtes normalement en créatif. Et bah du coup voilà, en fait, donc vous êtes en créatif ici et vous pouvez construire tout ce que vous voulez dessus sur votre plot. Donc voilà, vous cassez, etc. Il n'y a pas World Edit parce que ça ferait trop lag le serveur si tout le monde y avait accès. Du coup, on va mettre la permission que au gradé. Voilà. Du coup, on va voir vos plots. Donc en gros, voilà. Hop, Matt Minecraft. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc Matt Minecraft, il nous a fait. Il a commencé à faire une maison. Bon, ça a l'air pas mal, il a mis des items, non, il a rien mis. C'est juste une maison basique, voilà. Donc voilà, cool, il y a tout en construction en fait. Il y a même des plots où en fait ils ont mis tout et n'importe quoi dessus. Là, alors là, ça a l'air d'être quelque chose en construction. Redstone Cormac, alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Voilà, je charge tous les plots. Donc là, pour le moment, il a dû faire une muraille. Ouais, il a dû commencer une muraille en fait. Avec là, du coup, hein, une espèce de... bah, une croix, du coup, en fait. Il y a une croix juste là, tout simplement. Ensuite, on a l'autre plot. Donc là, c'est le plot où il y a tout le bordel. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a, il y a tout et n'importe quoi. Là, il y a... Il y a un plot, c'est en bordel. Bon, je vais me mettre en vanish, sinon il va me suivre tout le temps. Voilà, je me mets en vanish. Donc, voilà, il y a un plot ici où il y a tout et n'importe quoi. Le mec, il a fait spawn des arbres au pif et tout. Voilà. Ensuite, après, il y a d'autres plots, bon, vraiment plus travaillés quand même. Là, bon, il a dû s'amuser, quoi. Du coup, on a le plot. Hop, donc, ouais. Ah, il y a un autre plot de Mario's Goob. Non, c'est Whitmoon. Donc là, il a deux plots. Bon, je vais devoir... peut-être je vais lui donner la perme de merge. Enfin, de rassembler ces deux plots. Mais du coup, voilà. Il a fait ça. Je sais pas trop ce que c'est en vrai, mais... C'est marqué... Cliquez sur l'élément bleu. Donc ça doit être un mini-jeu qu'il essaie de faire. Une map de mini-jeu. Ensuite, à côté, on a... Hop, si ça charge... Ah, c'est quelqu'un d'autre. C'est Monsieur Cubic. Donc c'est le mec qui me cite depuis tout à l'heure. voilà. Avec, du coup... Bah, un jump. Non, c'est pas un jump. C'est pas un jump. C'est des montagnes russes qu'il essaye de faire. Il essaye de faire des montagnes russes avec... Prendre un wagon. Ah, c'est un parcours du combattant peut-être. Ça doit être un parcours du... Oui, je pense que c'est un parcours du combattant. Là, il y a des blocs invisibles. Il y en a... Bon, il y en a partout. Il devrait peut-être alterner en mettre des... En mettre à certains endroits, mais pas à d'autres. Comme ça fait encore plus parcours du combattant. Ensuite, là, on a ça. Ok. On arrive là, du coup. Et là, c'est... Ah oui, là, on n'a pas besoin de... Ok. On arrive directement. Bon, là, je le fais à l'envers, son parcours, mais... Mais du coup, ça serait à l'endroit, quoi. Donc, hop, et là, c'est le début ou la fin? Cours de bateau. Règle du jeu, ça se joue à 9 joueurs maximum, ne pas casser le bateau de l'autre. On a le droit d'être 2 sur un seul bateau. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Et puis après, autour, ça... Ouais, ça, c'est une déco avec, en fait. C'est une déco avec. Et... Pub. Pourquoi il est... Non, c'est pas pub. Pup. Pup. Pup quoi en fait?
Je sais pas. Bon, je vais rester comme ça. Équipe-toi de ces élytras pour. En fait, il a envie de faire des parcours. Là, si on s'équipe d'élytras, par exemple, voilà, je les ai mises. Et que là, j'essaye de rentrer. Faut encore que j'arrive à le faire. Je vais mettre. Voilà, je me mets en. Voilà, je me mets en survie. Comme ça, je vais y arriver plus facilement. Et. Voilà. Voilà, c'est bon. J'avance tranquillement, voilà. Donc, ah ouais, bon, on peut marcher tranquille après. Voilà, maintenant tu sais faire, passe au niveau 2. Ouais, en vrai, je vais essayer ça dans une autre vidéo, je pense. Ça m'a l'air cool s'il le fait plus grand, en tout cas, je l'essaierai dans une vidéo à part. On verra bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je teste ce parcours en vidéo. Et puis l'autre aussi, on verra bien si on peut. Sachant que je peux très bien essayer. Pour celui-là, mettre un mini plugin pour empêcher les gens de voler notre bateau, par exemple. Mais du coup, voilà. Donc, à part ça, on a d'autres plots qu'on peut visiter. D'ailleurs, je vais pas tous les visiter dans cette vidéo, parce qu'il y en a quand même pas mal, en fait. Donc voilà, je vais me balader un petit peu partout et voir quels plots sont pas mal. Donc, voilà. Sachant que pour le moment, je vais pas les trier non plus. Donc là, je suis juste en train de charger le chunky. Je vais pas non plus trier pour voir à l'avance lesquels sont les meilleurs ou pas. Donc je passerai peut-être sur des moins bons ou des trucs du genre. Mais c'est comme ça de toute façon. Et c'est pas grave. Donc, attends 5 secondes avant d'utiliser sinon t'es ban. Et ça doit être... Où est l'entrée? Où est l'entrée? L'entrée est... Non, elle est pas là. Ok. On va essayer de se mettre en... Voilà. On rentre, ça doit être là l'entrée, je pense. Voilà, si on se met là et que on a un mini parcours. En fait, ils se sont amusés à faire des parcours carrément pour la majorité. Je pensais qu'ils seraient beaucoup à faire des constructions, genre bah, tout et n'importe quoi en construction. Mais pour le moment, on voit plus des parcours. Après, à voir avec les autres si c'est pareil. Mais là, on a vu deux parcours. Ouais, enfin, il y en avait deux là-dedans, mais du coup, 1 et 2, ça fait 2 quoi. 2 parcours en, bah, en 3, 4 plots. Voilà, 4 plots. Donc là, il n'y a aucun plot. Ici, je pense que, ouais, il doit y en avoir par là. Non, ok. Ouais, c'est vrai, c'est quand il y a les bordures avec sandstone, voilà. Que c'est des plots avec des gens. Donc, là-bas, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a le plot. Ouais, il y a le plot. What the fuck? Avec l'enceinte toujours, enfin la bordure. Là, bon, là c'est mon plot de compte admin. Là, on a. Hop. On a un petit. Alors, comment ça s'appelle ce truc? C'est quelque chose sur pilotis. Une structure sur pilotis, je pense. Mais. Quel type de structure, ça par contre je pourrais pas dire pour le moment. Je saurais pas le dire en fait. Donc là ça a l'air d'être un truc pour un pilier, un truc du genre ici. Donc ouais ok. Et ah derrière voilà. Donc derrière on a un temple. Hop voilà un temple maya en construction. Non pas maya. Aztèque j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une pyramide. Pardon une pyramide aztèque. Pas un temple. Peut-être qu'un temple ça a la même forme aussi, mais je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être une pyramide aztèque. Ah oui, avec là, j'ai l'impression que c'est un signe aztèque. Si je le trouve, j'essaie de le mettre à l'écran. Ce à quoi ça ressemble en vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un signe aztèque, ça. Ouais. Il a essayé de le reproduire. Bon, il n'y a pas toutes les couleurs du coup. Mais il a essayé de le reproduire dans Minecraft. Avec là un petit canal autour. Donc ça ouais je le savais, ils en avaient parlé qu'ils avaient fait une rivière vu que c'était plusieurs à le construire. Donc voilà. Et là, un autre plot de Monsieur Cubic, j'ai l'impression. Avec la course des lits. Maintenant remplis chaque distributeur avec des fusées ou des feux d'artifice en les fabriquant. Combine une étoile de feu d'artifice, une poudre à canon et du papier. La couleur de l'explosion dépend de la couleur de l'étoile. Celle-ci peut être changée avec différents colorants.
Et ça, c'est des crafts, j'ai l'impression. Ah, mais du coup, il fait un petit wiki pour les gens qui veulent faire des parcours à Elytra qu'il a fait, pour leur dire comment ça se craft en vrai. Parce que peut-être qu'on peut pas l'avoir de base. Si je regarde, on peut pas l'avoir de base. Ok, je vois. Et du coup, là, il me dit avec dust, hop, glowstone, je crois. Non, c'est pas ça. C'est ça avec ça. Voilà. Donc si on a ça à table de craft, on va pouvoir. Donc là, je vais me taper mon plot, pas le faire ici, même si j'allais perdre. Hop, on va pouvoir. Alors, on a ça et ça. Non, ça le fait pas. Ça avec ça. Ouais. Non, en fait. Je vois pas quel craft c'est, en fait. Comment le faire, le craft? Bon. C'est peut-être pas un wiki pour faire des crafts. Mais du coup, c'est plutôt cool ce qu'on a pu trouver déjà aujourd'hui. Je pense que la vidéo est assez longue, je suis pas sûr. Mais du coup, à la limite, je verrai les prochaines fois pour vraiment faire un timer pour mes vidéos en plus. Sinon, je les ferai beaucoup trop courtes parce que je pense les faire longues. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc moi, j'essaie de m'envoler, je vais essayer de faire. Hop. Hop. Voilà, Elytra. Nickel. Ok, je vois, on peut le faire en créatif facilement en fait. Pour voler en Elytra. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss. Et pff, atterrissage. Tchuss.